À tous. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous, tout le monde. Alors, une Bonsoir. partie des experts est réunie ce soir. Je suis ravie de vous retrouver et donc j'ouvre les portes avec vous du sommet du bien-être holistique. Merci infiniment. Quel honneur pour moi de vous avoir réunis ce soir pour ouvrir ce sommet qui me tient vraiment à cœur, donc ce sommet du bien-être holistique, qui pour moi, le bien-être holistique prend en compte nos cinq dimensions, notre dimension physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Voilà, c'est ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie pour optimiser ma santé, mon bien-être. Voilà, et j'ai envie de partager toutes ces clés au plus grand nombre. Donc voilà. Et puis pour débuter ce sommet du bien-être holistique, comme je ne conçois pas une journée sans musique, nous allons commencer avec un jingle qui a été créé par mon amie Marie Reynaud, qui a créé selon qui j'étais. Donc voilà, nous allons démarrer avec ce jingle. Voilà. Donc, je remercie Marie Reynaud, qui est auteur, compositeur, guitariste, qui vraiment se produit un peu partout. Voilà. Donc, sur chaque conférence, en début de conférence, vous pourrez entendre ce générique et ce sera aussi le générique de fin. Donc, merci à vous d'être là ce soir. Donc, c'est un moment important. Donc, on va faire un petit tour de table. Vous allez pouvoir chacun vous présenter. Donc, tout en haut, moi, je trouve là, à côté de moi, Siegfried Sey. Bonsoir, Siegfried. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ça va, super. Parfaitement bien. Mais je m'appelle Siegfried Sey, je suis très heureux de participer à ce sommet du bien-être holistique. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens très motivés aussi avec moi. Bien, moi, je suis tout simplement le fondateur de l'Université des Hauts Potentiels, qui est un organisme de formation qui accompagne spécifiquement les personnes de profil haut potentiel, mais aussi les personnes avec le profil hypersensible et aussi les victimes de ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Et on les accompagne avec du coaching, de la thérapie ou des formations en ligne. Et ça, on le fait toute l'année. Voilà. Parfait. Et donc, ta conférence qui s'intitule Libérez vos émotions pour vous épanouir pleinement sera en ligne ce jeudi 14 octobre. Exactement. C'est vrai que les émotions, c'est quelque chose qui est très problématique chez les hauts potentiels. Donc, on connaît bien la thématique à l'université. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la libération des émotions. Oui, et de grosses clés, de grosses pépites, de gros outils sur ta conférence. Et puis, Exactement. tu vas nous offrir aussi un bonus. Voilà, ce sera dans le Oui. coffret. Tout à fait. Un bonus qui est vraiment lié justement à la conférence qui va avoir lieu sur la libération des émotions. Puisque pendant cette conférence, comme tu l'as dit, on a beaucoup de pépites qui sont partagées. Il y a aussi des exercices à faire pour justement arriver à retrouver une reconnexion émotionnelle, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça, la reconnexion émotionnelle. Et donc, il faut un petit peu comme un sportif, il faut s'entraîner jusqu'à retrouver ses émotions. Et dans le bonus, il y a une petite pépite aussi en plus pour aider les exercices à mieux se réaliser. Tout à fait. Alors, un grand, grand merci à toi, Siegfried,
pour ce cadeau précieux. Voilà. Merci Siegfried. Alors maintenant, je vais accueillir Coralie. Coralie, qui est notre invitée surprise. Bonsoir à tous. Et qui se rajoute sur le sommet. Voilà. Merci beaucoup. Merci Valérie de m'avoir proposé de rejoindre le sommet. Donc, je m'appelle Coralie Germanier, j'habite en Suisse. Je suis infirmière de formation et en fait, la manière dont les soins sont, enfin, dont mon ancien job où on pratiquait justement le métier d'infirmière ne me convenait plus, n'était plus en accord avec mes valeurs. Et du coup, là, j'ai décidé de me former comme coach. J'ai aussi fait des cours de massage, j'ai fait plusieurs ateliers de développement personnel. Et là, maintenant, j'accompagne les gens en utilisant tous mes atouts, en fait, toutes les cordes de mon arc, où au départ, en fait, je me limitais à une seule discipline. Et puis, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais être créative et utiliser tout ça dans l'accompagnement et, en fait, de ne pas se limiter, en fait. Vraiment, si j'ai un message, c'est ça. Très bien. Alors, hâte aussi de découvrir notre interview, une interview ensemble. Et cette interview, elle sera mise en ligne le mardi 19 octobre. C'est ça. Voilà. Je me réjouis. Merci Coralie. Merci à toi. Merci. Alors, sur mon écran, j'ai Sandrine Vaujani qui suit. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Très heureuse et honorée de faire partie des intervenants de ce sommet mystique. Merci. Merci de ta confiance et de cette proposition. Donc, je vais plutôt intervenir dans la dimension spirituelle, même si j'ai d'autres dimensions dans mon approche, puisque j'accompagne vraiment la personne à se réapproprier son corps et dans toutes ses dimensions, du coup. Et que, effectivement, ce corps est habité par une âme. Et elle n'est pas là par hasard sur Terre. Et elle a des choses à débloquer inconsciemment, consciemment, des karmas. Enfin, voilà, toutes ces petites choses dans un espace un peu inconscient. Et voilà, je vais sensibiliser ces êtres qui viendront vers nous pour les ouvrir à cette lumière qui est en nous. Et tout passe par nous et tout passe par le corps. Et le corps est vraiment le miroir de l'âme. Voilà. Donc, j'ai à cœur d'amener les personnes dans ce sens-là, aussi bien quand du massage que de l'enseignement aussi de pilates pleine conscience. Mais là où je vais intervenir, c'est vraiment dans les dimensions spirituelles au niveau du sommeil. Ah, tout à fait. Et donc, ta conférence s'intitule « Votre corps, votre allié pour la vie voilà. », qui sera mise en ligne le lundi 18 octobre. Et donc, ah oui, je ne sais pas pour Coralie, mais bon. Sandrine, quel bonus tu nous offres ? Un e-book sur notre corps, notre sanctuaire sacré. Voilà. Et donc, c'est un petit livret où vous allez pouvoir découvrir les différentes dimensions de ce corps. Et j'espère que ça va vous apporter un peu plus de lumière sur tous ces espaces. Oui, un bel e-book. Votre corps, votre sanctuaire sacré. Merci beaucoup, Sandrine. Plaisir, merci à toi. Merci, à tout à l'heure. Alors, j'accueille maintenant Stéphane Robin. Salut Valérie. Bonsoir Stéphane. Super heureux d'être là, bonjour à Siegfried, il y en a certains que je connais là. Et puis il y a Roland aussi, attends, je fais le petit tour quand même. Oui. Bonjour Elias, bonjour Roland. Après, je découvre d'autres, Malika, Corinne, Monsieur Pironnet, Franck, Coralie, Sandrine. Bah, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour ton invitation. Oui, tu as une question, je suppose. Alors oui, je vais te présenter aussi. Oui, oui. Je m'appelle Stéphane Robin, comme c'est indiqué, juste en dessous, en haut à gauche.
en bas à gauche de mon côté. Et je suis coach en transformation personnelle. Depuis, bon, j'ai toujours eu l'impression de faire ça. Hein, j'ai commencé, j'avais 19 ans et c'était du coaching, mais on va dire sportif. Voilà. Et puis, ça ne m'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait pas loin de 30 ans. Et puis, ben, aujourd'hui, j'accompagne les gens à reprendre leur pouvoir par eux-mêmes à partir d'une compréhension profonde du cœur. Voilà. Je ne parle pas forcément du cœur, même si c'est un des aspects hein, romantiques qu'on peut voir dans les séries, dans les films, dans notre vie de tous les jours. Mais vraiment du cœur, qui est aussi le siège de l'âme pour les traditions anciennes depuis 5000 ans. Donc l'idée pour moi, c'était de créer un pont, donner du sens à un aspect de nous-mêmes qui a besoin de sens, surtout en Occident. Donc, de créer un pont entre la science actuelle, ce que peut nous offrir les neurosciences, la neurocardiologie, l'épigénétique, la physique quantique, et j'en passe, et tout ce qu'on sait maintenant depuis des millénaires, puis à environ 5000 ans en tout cas. Donc, cette compréhension-là, j'accompagne les gens à reprendre ce lien et se rappeler qu'il existe depuis toujours, en fait. Souvent, on dit qu'il faut se reconnecter, se relier à soi. En fait, il existe là depuis tout le temps. Donc, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne, la transformation durable et profonde. Donc, on rentre dans un processus et puis voilà, on s'accompagne les uns les autres de toute façon. Mais voilà, un petit peu l'essence même de mon travail. On y découvre des multipotentialités aussi, souvent, qui sont d'abord innées, mais un peu trop souvent inexplorées et inexploitées. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir et de joie même, et surtout de joie et de bonheur à partager cette information-là, à animer et co-animer des ateliers, des conférences, des retraites sur le sujet. Parce que comme toi, on a déjà dû te... En tout cas, on reconnecte-toi à ton cœur. C'est la voix du cœur qu'il faut suivre. Oui, ok, mais on fait comment? Donc, j'aime apporter des enseignements, mais aussi des outils pratiques, des techniques efficaces pour se relier à tout ça, et se rappeler qui on est vraiment. Donc, le titre de ta conférence, Transforme ta vie avec le cœur. Voilà, transformer sa vie avec le cœur. Voilà. Et toute sa dimension énergétique, mais aussi physiologique. On en découvre beaucoup sur le sujet. Ce n'est pas qu'une simple pompe. Donc, bon, je ne vais pas le dévoiler ici, mais on a passé un moment assez chouette tous les deux sur ce sujet passionnant, ouais. En tout cas qui me passionne. Ouais, c'est sûr. Vraiment magnifique. Et puis, des week-ends aussi, tu fais des week-ends de transformation aussi. Qui sont... Ouais, je co-anime, ouais, absolument. Okay. Ouais, j'adore ça. Bah, de toute façon, c'est comme j'imagine toutes celles et ceux qui sont présents ici aujourd'hui, hein, mais on est poussé par un alignement avec notre métier, avec notre passion, avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, quand on en parle en général, c'est avec le cœur, aligné avec qui on est vraiment, avec notre âme, avec la globalité de notre être. Oui, tout à fait. Merci. Donc ta conférence sera mise en ligne jeudi 14 octobre. Jeudi 14 octobre, pour 48 heures, hein, c'est ça? Comment? Pour 48 heures. Oui, c'est ça, pendant 48 heures. Okay. La conférence sera mise en ligne gratuitement pendant 48 heures. Voilà, tout à fait. Et puis, comme bonus, tu nous offres... Bah, écoute, il y aura un PDF sur la méditation du cœur qui reprend les gros points de ce que j'aurais dit pendant cette conférence. Et puis, ça sera parce que j'aime apporter du sens à ce que je fais en général. Donc, il y aura un petit explicatif sur ce qu'est la méditation du cœur, pourquoi elle est là, quelles sont ses intentions. Et puis la méditation du cœur, effectivement, en audio. Voilà. Voilà, parfaitement. Merci beaucoup, Stéphane. Je t'en prie, merci à toi. Je crois qu'il y a l'écho de mon côté. Tu as des micros ouverts. Oui. Oui, je pense. Est-ce que Valérie, tu veux bien me mettre co-animatrice? Comme ça, je désactiverai et activerai les micros quand il faudra. Alors, co-animatrice, dis-moi. Tu cliques sur mon nom, sur le plus.
Nommé animateur. Oui. Co-animateur. Animateur. Excusez-nous pour l'écho. J'ai pas de co-animateur. Pardon. Mets-moi animatrice. Je vais te mettre co-animatrice alors. C'est fait. Ah, il n'y a pas de co-animateur. Je vais gérer les sons. Très bien. Alors, après Stéphane, Corinne Chouvet, via l'annexe. Bonsoir Corinne. Bonsoir Valérie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ta conférence sera mise en ligne le dimanche 17 octobre et elle s'intitule « Sens et essence des énergies terrestres et célestes ». Oui. Alors, qui es-tu, Corinne ? Ah, qui je suis ? En tout cas, d'abord, je voulais te remercier de m'avoir invitée au sommet. On se connaît par d'autres voies, mais je suis très ravie d'être avec vous ce soir et puis peut-être de vous faire découvrir le sujet du feng shui traditionnel chinois que je pratique depuis maintenant plus de 15 ans en France et à l'étranger. Je suis aussi consultante en BADZE et géobiologue. Donc, une spécialité qui est très, très peu connue dans le monde occidental, enfin, surtout en France, à l'étranger, aux États-Unis et dans les mondes anglo-saxons, le feng shui est assez usité, voire très, très utilisé. Donc, c'est vrai que je pratique cette science, cet art traditionnel qui a plus de 5000 ans d'existence depuis maintenant presque 18 ans. Je pratique avec des maîtres en Asie. Et effectivement, je continue à me former parce que c'est une connaissance qui est encore très, très vivante et hyper active sur la planète. Mais il y a plusieurs maîtres, il y a plusieurs transmissions et 2500 ans d'écrits, ça demande un petit peu de temps. Donc en fait, effectivement, le sens et l'essence de cet outil, c'est de se rattacher à son environnement, comprendre quel est l'impact de l'environnement sur nous. Et à qu'est-ce qu'il va déterminer comme action dans notre vie. Parce qu'on oublie, on parle beaucoup de nous, on parle beaucoup d'holistique aujourd'hui, mais en fait, on oublie aussi qu'on a une grosse interaction avec notre environnement, c'est-à-dire avec la nature, avec le tout et l'univers. Mais ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on nommait parfois de nommer la nature et son environnement. Et donc, le feng shui permet de comprendre l'impact d'une montagne, des montagnes que nous nommons dragons ou des cours d'eau qui vont avoir une action, voire dans le monde moderne, ça peut être des immeubles, ça peut être aussi des routes. Et tout ça, ça va avoir une interaction avec nous dans le temps. Et le Badze est lié à l'astrologie chinoise spécifique, c'est une forme d'astrologie qu'on utilise avec le feng shui, justement pour mettre l'homme au centre. Puisque quand on va parler bien évidemment du feng shui, on va parler du yin yang, on va parler de la loi des cinq éléments, bien évidemment, puisque c'est la base de la culture chinoise qui exprime les fondements des lois de l'univers. Et donc, nous sommes aussi en lien avec ce tout. Et effectivement, le feng shui permet de mettre en évidence tout cela. Alors, ma spécificité, c'est quand même que je travaille avec les chefs d'entreprise. Et voilà, je sors d'un sommet national où j'ai fait aussi une conférence. Et là, j'ai couru pour venir rentrer chez moi. Et je suis ravie d'être avec vous toutes et tous ce soir. Voilà. Merci Corinne. J'ai eu la chance de te connaître et que tu interviennes chez moi justement. Oh. On a passé de belles journées ensemble et oui. tu as pu m'orienter. Mmh. Voilà. Merci infiniment Corinne. Je t'en prie, merci. Et puis tu offres aussi un bonus. Alors, quel est-il ? Ah oui, alors effectivement, j'offre un bonus qui est un,
qui est un e-book en fait, hein, où dessus il y a plusieurs informations très intéressantes pour les gens, parce que bon, ma conférence va expliquer pas mal de choses, mais c'est bien aussi de donner des clés. J'en donne dans ce sommet, mais j'en donne aussi dans cet e-book dans lequel on peut, grâce à ça, comprendre certaines données et les mettre en application. Alors évidemment, ça ne va pas aussi loin qu'une consultation ou une étude, mais déjà, c'est vraiment un très bon point de départ pour mieux se familiariser avec cet outil. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci Valérie. À plus tard. Alors, à côté de Corinne, j'ai Malika Arnaud. Bonsoir Malika. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Ravie de t'accueillir. Merci à toi, ravie d'être là, ravie de faire partie des intervenants et des participants à ton sommet, le sommet du bien-être qui concerne tout le monde. Merci beaucoup à toi d'initier ça, tout ça. Alors, comment s'intitule ta conférence? Malika, tu parles du TNBI, hein? Exact. Donc, tu parles du sommeil du bien-être. C'est un sommeil où il y a vraiment une dimension holistique. Donc, à travers le TNBI, je voulais expliquer un peu la dimension globale de la prise en charge de sa vie en main. Donc, en fait, l'idée dans le triangle neurobiochimique interne, c'est d'expliquer aux personnes un peu les différentes dimensions, que ce soit mentale, l'impact du mental sur le physique. Et dans le physique aussi, j'ai détaillé un peu, pas trop détaillé, mais j'ai donné des éléments sur la partie organique et la partie squelette ou bien neurose, la partie, tout ce qui concerne le physique et la structure neuro-organique, la structure du squelette, pardon, je perds les mots. Donc voilà, l'idée, c'est d'expliquer aux personnes, si on veut prendre sa vie en charge, c'est vraiment, on ne peut pas faire que l'accompagnement sur les pensées positives, on ne peut pas faire que le sport ou le yoga, et on ne peut pas faire que l'alimentation et délaisser les autres parties. L'idée, c'est de prendre ces trois dimensions, travailler dessus, devenir le maître de sa vie à travers ça. Et une fois qu'on a pris en charge ces différentes parties, on peut aussi envisager la dimension épigénétique, l'environnement, la dimension énergétique et toutes les différentes dimensions. Mais la base, c'est la matière, c'est le physique et c'est le mental. Donc, on est dans un corps physique et c'est notre chance, en fait, d'expérimenter pas mal de choses. Et je voulais expliquer terre à terre quelques pépites, quelques petites clés, en tout cas, qui ont transformé ma vie. Aux personnes qui vont effectivement auront la chance d'assister ou de bénéficier de ces conférences. Voilà, et puis tu nous offres aussi un bonus. Exactement, j'offre un bonus. C'est un bonus, je ne vais pas nommer le type d'énergie, mais je parle d'énergie précieuse. Ce sera à découvrir. C'est une méditation guidée sur une énergie mais vraiment précieuse qu'on a à portée de main et qu'on n'utilise pas souvent. L'idée, c'est de... Quelqu'un tout à l'heure, peut-être Stéphane, je ne sais pas, quelqu'un parlait des émotions, c'est d'aller entraîner, faire du fitness, faire du renforcement émotionnel et aller chercher ce type d'énergie qui transforme réellement la vie et qui facilite les choses. Voilà, donc effectivement, c'est une méditation guidée sur l'activation et la mise en route de cette énergie précieuse, éternelle, divine. Merci. Voilà, à côté, je suis comme les personnes présentes ici, consultante en accompagnement à la réussite. Je suis thérapeute dans le bien-être et ma démarche est essentiellement liée à quelque chose de très basique, terre à terre, c'est vraiment se libérer soi-même, que ce soit quelqu'un avant moi parler des karmas, parler de tout ce passé, entre guillemets, contraignant, donc se libérer du passé, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut entraver l'épanouissement de la personne et son bien-être, s'aligner, bien sûr, trouver un alignement, un centre, un sens et un essence à soi, et s'épanouir. Voilà un peu la démarche et je propose ça aux dirigeants d'entreprise
et aux indépendants. Voilà, je fais un tour toute ma vie. J'ai fait de l'accompagnement, j'ai fait de l'humanitaire, j'ai été assistante sociale et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'animait. Comment ça se fait que certaines personnes s'en sortent, mais d'autres pas? Et j'ai toujours cherché du sens, j'ai toujours cherché de l'information. Et aujourd'hui, c'est... tout ce que tu fais me parle. Donc, on a partagé aussi pas mal de temps ensemble. C'était très chouette. Oui, tout à fait. De beaux souvenirs. Merci, Malika, voilà, pour ton intervention. Et donc, ta conférence sera mise en ligne le mercredi 13 octobre. Voilà. Eh bien, ça tombe très bien. Le 13 octobre aussi, je passe une émission dans une radio qui s'appelle La Radio du Bien-être. Apparemment, ça sera ma journée alors. Eh ben, oui. On ne pas concerté sur ça. Non. Si, je l'avais dit, peut-être que c'est oublié, mais voilà. Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, la mission, ça a été programmé, ça fait longtemps. Donc, du coup, bah, les personnes peut-être auront l'occasion de me voir à deux reprises, mais bon. Voilà. Merci. Très bien. Merci, Malika. Alors, à côté de Malika, je trouve mon cher François Yogesh. Bonsoir, François. Non, il n'y a pas ton micro. On ne t'entend pas si tu veux activer ton micro. Ça va, là? Oui, parfaitement. Ok, il y a un petit truc à cliquer en bas à gauche. Je n'avais pas remarqué. Bon, ben, bienvenue à tous dans ce sommet. Je pense qu'on est qu'entre intervenants ce soir, c'est ça? Oui, et puis en direct live sur Facebook. Ok. Donc moi, je m'appelle François. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'anime la communauté des nobles guerriers à travers surtout Instagram, YouTube. Donc le but, c'est qu'on partage et que ça nous permette de nous auto-éduquer sans justement dépendre du tout du système, parce que le système est complètement obsolète, et puis que ça nous permet de nous épanouir de manière globale. Voilà, donc j'anime cette communauté, et tout mon enseignement est centré avec ce fondement qui est la méditation, puisque je considère que la méditation, c'est aussi ce qui apporte de la clarté de l'esprit, et que sans ça, sans clarté, on a beaucoup de mal à s'épanouir, quoi qu'il en soit, quelles que soient les techniques, aussi profitables soient-elles. C'est vraiment, à mon sens, un fondement, d'une part, mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, et d'ailleurs, quand on commence la méditation, on commence par le corps lui-même, pour remettre les différentes composantes de notre être ensemble, parce que bien souvent, on fonctionne de manière complètement fragmentée, c'est-à-dire que si notre corps il est là, ben notre esprit il peut être complètement ailleurs. Et d'ailleurs, la plupart du temps, pour la plupart des êtres humains, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme si les différentes dimensions de notre être vivaient des vies parallèles, mais on n'est jamais vraiment en harmonie avec soi-même, quoi. Donc on commence par travailler sur le corps et de placer une attention sur le corps pour remettre le corps et l'esprit ensemble. Voilà. Dit très rapidement. Donc moi, je vais intervenir, tu vas diffuser ma vidéo le 17, hein, c'est ça? Alors, c'est ça, le dimanche 17 octobre, et donc, ta conférence s'intitule « La méditation est la clé, la connaissance de soi, vous devez en faire une habitude ». Oui, voilà, c'est un maître mot, l'habitude, oui, bien sûr. Voilà. Et j'ai eu la chance de vivre de merveilleuses séances de yoga avec toi, des années de yoga avec toi. C'était. Tu as même vécu mieux que ça, non? Et encore mieux, puisque tu avais organisé un voyage en Inde et nous sommes partis en Inde. Et waouh, ça a été un voyage initiatique, un voyage de transformation qui est dans mon cœur. L'Inde est dans mon cœur. Et voilà. Mes amis indiens sont toujours. Ah oui, il suffit. Je vous emmène au bon endroit et à la limite, j'ai presque rien à faire. Je suis aussi connectée toujours avec l'Inde. Oui, ouais. Bien sûr. Allez, bien sûr. Merci, merci. Bienvenue à tous. Et puis, ce sera un plaisir de pouvoir vous écouter et qu'on puisse nourrir les uns les autres. Tout à fait. Pour le bien commun, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que j'offre comme bonus? C'était ça ta question, sûrement, celle qui allait venir. Donc, bah, très simplement,
pour l'audience qui va nous écouter, donc j'offre 3 méditations guidées qui permettent de retrouver un peu plus de paix intérieure, de sérénité, de bien-être émotionnel. Donc c'est 3 méditations qui sont très différentes et qui peuvent vraiment permettre pour le moins aux gens eh bien, de s'apaiser, parce que finalement, souvent, c'est la base, on a déjà besoin de se relaxer mentalement avant de parler de méditation à proprement parler, puisque voilà, je considère que les méditations guidées, ben, c'est une belle porte d'entrée, mais ce n'est pas véritablement de la méditation. Et puis, justement, je vais offrir aussi 5 vidéos pour pouvoir partir sur de bonnes bases de compréhension, si on veut s'engager sur le chemin de la méditation, parce que il peut y avoir beaucoup de confusion, surtout que maintenant, tout le monde médite, mais chacun médite d'une manière différente et il y a tellement de sortes d'enseignements. Il y a des enseignements très intéressants, mais il y a aussi des enseignements qui sont plus ou moins approximatifs aujourd'hui. Donc, je vais donner 5 vidéos pour les gens qui ont envie de s'engager là-dessus ou de revoir leur base, puissent checker si tout est en place, quoi. Merci, ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ces beaux cadeaux. Plaisir. Merci François. Alors, un peu plus loin, nous retrouvons le docteur Ilyes Barly. Bonsoir Ilyes. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Direct de ravi d'être parmi vous ce soir. Et... Pardon? Oui, bon. Tout à fait. Et donc, on est ravis. Voilà, ravi d'être parmi vous et de participer par mon approche thérapeutique, intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée, et donc qu'on va présenter. C'est venu, je suis médecin depuis 1992 et autour de 2008, on se pose des questions, pourquoi certains guérissent, pourquoi pas d'autres, pourquoi certains tombent malades, pourquoi pas d'autres. Pourtant, c'était des patients sérieux les deux. Et donc, moléculaire, puis vers l'approche de l'accompagnement neuro-existentiel et neuro-émotionnel. Et j'ai eu pour ça plusieurs prix. Donc, c'était en 2014, le prix Award de l'Institut Antoine Béchamp, au Lesaca en Espagne. Puis, il y a eu à Jaipur, au Rajasthan, j'ai eu le prix Award de l'innovation thérapeutique. Et en 2018, à Tokyo, le prix Hall of Fame, Linus Pauling. Donc, c'est pour cette approche où ce n'est pas uniquement l'approche médicale classique allopathique que vous connaissez, mais également une approche intégrative qui combine ce volet nutritionnel, orthomoléculaire, mais surtout ce volet neuro-existentiel et neuro-émotionnel. Voilà sur quoi va se dérouler ma conférence. Voilà, une belle conférence où tu dévoiles ta façon d'aborder la santé d'une façon donc intégrative, globale, multidimensionnelle, voilà. Donc de belles pépites. Et tu nous offres aussi un bonus particulier. Un double bonus, il y a la publication que j'ai fait, toute l'histoire sur la vitamine C, elle a été publiée sur la revue Science, Santé et Conscience, donc elle sera partagée, il y a plus de 11 pages, il n'y a jamais eu un aussi long article dans l'histoire des publications en français sur la vitamine C, donc j'ai fait tout l'historique. Et le bonus un petit peu exceptionnel et qui est valable même pour les conférenciers, c'est une prise en charge personnalisée de ma méthode. Je risque d'avoir 7 milliards de personnes qui vont me solliciter. Bon, mais à chaque fois que je lis le nombre d'inscrits, je me dis que je pourrais gérer. Et donc, bienvenue à tous. Voilà, avec grand plaisir. Merci infiniment, Ilyes, pour cet énorme cadeau. Merci beaucoup. Alors, voilà, merci. Et ça sera à ceux qui osent me contacter. Voilà, avec grand plaisir. Tout à fait. À côté de toi, nous retrouvons Eric Fabre. Bonsoir, Eric. Eric, j'ai demandé la réactivation du micro. Très bien. Ah,
Bonsoir Eric. Oui, tu m'entends? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ouais, j'avais peur d'être vraiment une nullité en informatique, ce que je confirme. Mais bon, si vous m'entendez, j'en suis déjà enchanté parce que c'est un exploit pour moi. L'informatique, tout ce qui est technique, j'ai une aversion totale. Donc, confirmez-moi bien que vous m'entendez, j'en serais très heureux. Oui, oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. Du coup, si c'est pas grave, vous ne ratez pas grand-chose. bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. En tout cas, je suis ravi de rejoindre une équipe de gens bienveillants et de conférenciers. Je ne suis qu'impatience et de vous entendre tous à vos autres, tous à vos conférences. C'est très agréable de rejoindre une équipe de gens bienveillants et basés sur l'amour. Merci donc à toi Valérie et surtout un grand bravo parce que d'organiser un événement comme celui-là, c'est pas évident. Je pense que c'est aussi beaucoup de travail et des garçons comme moi, je crois qu'on ne t'a pas facilité la tâche. De formation, donc je suis pharmacien, un ex-titulaire pendant 20 ans titulaire en pharmacie, nutritionniste et diététicien et aujourd'hui enseignant en naturopathie, passionné par tout ce qui marche en réalité, dans la mesure où c'est fait justement et transmis avec bienveillance et amour. Donc je me suis intéressé bien sûr à l'énergétique, au vibratoire, et j'essaie de comprendre tant bien que mal la physique quantique, que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, malgré mes recherches et mes lectures. Et je rejoins un peu Einstein, mais tout modestement, qui disait que celui qui explique la physique quantique, c'est un menteur parce que c'est inexplicable. Mon but, c'est de vous transmettre un petit peu, ou en tout cas de vous sensibiliser aux huiles chamaniques. C'est l'idée de ma conférence. Parce que je suis passionné par le chamanisme, là aussi que j'essaie de comprendre. Et les huiles chamaniques, par contre, m'apportent beaucoup aujourd'hui dans ma pratique quotidienne, parce que j'ai encore une parapharmacie dans laquelle j'exerce. Et je fais aussi des conférences donc, dans le domaine des huiles chamaniques, entre autres, pour essayer de véhiculer, transmettre cette émotion que me procurent les huiles chamaniques. Voilà, donc... Vous ne me voyez pas, j'espère que la prochaine fois vous me verrez. En tout cas, ce qu'il y a de difficile pour expliquer les huiles chamaniques sans les toucher, sans les sentir, sans les visualiser, je vais avoir un gros challenge, c'est-à-dire vous transmettre ma passion de ces huiles sans vous les faire sentir. Bon, certains d'entre nous les connaissent. L'objet de mon intervention, qui je ne sais pas encore est programmée quand, mais... Je peux rassurer Valérie, ça y est, je l'ai réalisée cet après-midi, elle est faite. C'est merveilleux, Eric. Alors, elle sera publiée le samedi 16 octobre. Ah ben, c'est merveilleux, voilà. C'est merveilleux. Merci infiniment. C'est le jour de mes 25 ans. Et tu nous offres aussi un bonus. Oui, je vous offrirai un livret complet réalisé en collaboration avec le chaman, qui, comme je le dis souvent, n'est pas un chaman sorti d'un paquet Bonux, puisqu'il a une ancienneté et une expérience dans le chamanisme de père en fils. Et donc, il a cette expérience. Et bon, moi-même, étant passionné par l'aromatologie, l'aromathérapie, on a concocté ces huiles ensemble. Et aujourd'hui, notre livret donc, vous est offert. Et puis, pour les personnes intéressées, qui seront peut-être 7 milliards demain, ou peut-être 7 milliards et 100 millions, j'offre également une réduction sur l'achat de ces huiles si vous êtes intéressé. Et donc, je vous invite à y penser fortement parce que vous verrez qu'au quotidien, elles pourront vous être très utiles pour vous, vos proches, vos amis et surtout vos demandeurs d'aide parce que je crois que c'est des demandeurs d'aide qui font appel à nous parce qu'ils ont besoin de notre aide, en tout cas de notre écoute et de notre soutien. Voilà. Merci beaucoup Eric, et je confirme, puisque je les utilise, ces huiles, elles sont extraordinaires. Et tu n'as pas un coffret à nous montrer Eric? Mais comme vous ne me voyez pas, peut-être que vous allez voir le coffret, vous n'y perdez pas tout alors. Oui. Attendez, est-ce que vous voyez mon coffret là? Montre-nous le coffret. Non, je pense que tu ne regardes pas au bon endroit, c'est à ta droite. Tu vois ta droite? Cette inversion totale pour l'informatique se confirme encore une fois. C'est parce qu'il est connecté à deux endroits.
Ah oui, ah, mais voilà. Mais oui, parce que comme je suis sur le téléphone, c'est de l'autre côté. La caméra est sur le téléphone. Ah, voilà. Là. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, attendez, je vais vous faire saliver 30 secondes. Alors, vous allez voir. Joli coffret. Un joli coffret, des huiles magnifiques. Et puis, vous allez voir ma sale tête. Vous la voyez? C'est vrai que les huiles sont vraiment les. On va dire, l'odorat, c'est vraiment un booster de mémoire. Ah, donc, bah écoutez, là, j'en ai une que je viens d'essayer. Je confirme, je l'utilise. Ah. Je les utilise. Hein. Ah, c'est voilà. Fantastique. Voilà. Là, je vais essayer. Ce soir, l'huile essentielle amour, et il faut que ma femme se tienne bien, je vous l'assure. Non, on ne la voit pas là. Voilà, peux... c'est une merveille. Mets-la devant toi, l'huile. Ah. Un peu plus devant toi, un peu plus. Voilà, ouais. Très bien. Voilà. Voilà, parfait. L'huile essentielle de l'amour. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Eric, si tu permets, Valérie, je vais lui poser une question sur cette huile-là. Tu n'as pas parlé de. Comment ça s'appelle ? Immunité, c'est ça? Immunité? Oui, tout à fait. C'est en fait, c'est concrètement, c'est une huile. Bon, vous savez, vous avez, je pense, tous entendu parler du Covid. On en parle un petit peu. Donc, c'est une huile qui va augmenter vos défenses immunitaires de façon intéressante, outre bon, les autres produits qualitatifs. Mais c'est une huile qui est une des rares qu'on peut absorber par voie orale. Les huiles dont je vous parlerai sont des huiles qu'on peut utiliser uniquement en externe, en diffusion, en inhalation, et en les posant sur les chakras notamment. Mais celle-ci est une huile qu'on peut utiliser en inhalation, mais aussi par absorption, et qui va augmenter vos défenses immunitaires à la vitamine C notamment, dont je suis un partisan. À la vitamine D, indispensable aussi, peut vous protéger et vous défendre de ces fameux virus dont on parle un petit peu en ce moment. Voilà. Pour répondre à ta question, tu peux l'utiliser. C'est une huile très récente et très intéressante. Je vous en donnerai la composition. J'extrapolerai sur cette huile à ma conférence. Je vous promets que j'en parlerai aussi. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Alors, ensuite, il nous reste notre dernier invité, parce qu'on a un invité qui a dû s'absenter, qui est parti. Alors, il nous reste Pierre Pironet. Bonsoir, Pierre. Non, tu n'as pas activé ton micro. Hop. Eh bien, bonsoir, Valérie. C'est un plaisir d'être là. Merci d'abord de m'avoir invité à organiser ce concept. Alors, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Pierre. Ah. Est-ce que tout va bien? Ça va mieux, oui. Ok. Alors, moi, je viens du monde des arts martiaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais professeur d'aïkido. J'ai pratiqué un peu plus de 37 ans. Et il y a 20 ans, j'ai développé un concept entre l'art martial et la bioénergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je montre comment, en fait, on peut vraiment redonner un équilibre. Et ces exercices ont l'objet de vraiment vous relier totalement, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Voilà. Et donc, il y a une pratique qui se met en place pour ça, qui dure à peu près 50 minutes. Et ce que je voudrais, le jour de la conférence, c'est de montrer comment, avec cet exercice, vous pouvez non seulement libérer beaucoup de tensions, de douleurs, retrouver l'alignement. Et quand je parle d'alignement, c'est ce qui vous permet, au bout de 20 minutes, de transformer quelque chose qui régulièrement vous mettrait dans un état abominable. Eh bien là, tout d'un coup, vous n'agissez plus du tout de la même façon, donc vous changez votre état intérieur. Et je vous promets, vous avez une autre façon d'être, que ce soit avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous entourent. Donc ça... cette expérience-là. Et après, je montre comment on peut approfondir ces techniques avec un ensemble de choses que je mets en place. Voilà. L'objectif de cette conférence, c'est de vous faire expérimenter des outils, de vous montrer ce qui est possible si on va plus loin. Et puis, j'ai l'intention de laisser en fait un manuel gratuit qui reprend
vraiment tout ce que je propose, plus sur 5 jours. Et au bout des 5 jours, je vous emmène un peu plus loin avec moi. Et tout ça, c'est sur vidéo, c'est entièrement gratuit. Merci infiniment, Pierre. Et donc, ta conférence s'intitule « Les 7 exercices incontournables pour libérer les tensions du dos et de la nuque. Retrouver une meilleure respiration, plus d'alignement dans votre corps en 5 jours sans faire de sport. » Et elle sera mise en ligne le vendredi 15 octobre. Et chaque jour, durant tout le sommet, je vais faire donc des interviews courtes, mais voilà, pour reprendre avec chacun d'entre vous les grandes lignes de votre conférence, mettre en avant votre activité aussi. Donc, je tiens à vous remercier infiniment. Je suis honorée, vraiment très très heureuse de lancer cet événement. Et puis donc aujourd'hui en fait j'ai décidé d'offrir 2 coffrets Harmonie de l'être. Donc nous allons opérer un petit jeu concours où je vais poser donc 2 questions. Donc alors la première. En fait, il faut peut-être préciser que c'est dans les bonnes réponses, la première personne qui donne la bonne réponse dans les commentaires du live Facebook gagne le coffret. Donc, peut-être poser une question après l'autre. Oui, tout à fait. Donc, le premier qui interagit et qui donne la bonne réponse sur Facebook remporte le coffret. Alors, première question. Si vous avez pris des notes, on va voir. La conférence de Siegfried Say sera mise en ligne quel jour ? Dites-moi, quel jour sera-t-elle mise en ligne ? Voilà. Donc Alors, je regarde les réponses, mais il y a un petit temps de décalage, donc il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Il y a Caro qui dit le 14-10, le 14 octobre. Caro, c'est gagné. C'est Caro. KB. Qui a... Caro. Voilà. Alors, il faut qu'elle envoie un message à Valérie et puis je répondrai pour lui donner les codes d'accès. Voilà. Super. Bravo, Caro. Bravo, Caro. Et puis la deuxième question. Quel bonus offre le docteur Ilyes Barly ? Quel bonus ? Alors, on attend les réponses avec le décalage. Oui. Oui, déjà consulte. Ah, bien. Anne. Anne, consultation. Très bien. Bravo à Anne. C'est Anne donc, qui remporte le 2e coffret. C'est pareil, Anne, un petit message en MP à Valérie et puis je m'occupe de tout ça. Merci. Bravo. Je note le nom. Et c'est parfait. Ah, ben vraiment, ça a été très rapide. On a des personnes qui sont vraiment à l'écoute ce soir. Donc, écoutez, je suis vraiment ravie. Je pense que ça va être une semaine très riche, très, très, très intéressante. Voilà. Alors, j'ai notre ami aussi, Roland Hégé, qui a dû s'absenter. Donc, je le remercie. Voilà, je vais parler un petit peu de sa conférence. Il va parler donc d'hydratation, les 8 raisons de bien s'hydrater chaque jour. Donc, sa conférence se passera en ligne le mardi 12 octobre et on fera aussi donc une interview. Et puis, il a écrit dernièrement son livre « H2O Code ». Et donc, il nous offre le premier chapitre de son livre.
Voilà, sur le bonus. Donc, merci à Roland. Et puis, je tiens aussi à remercier les autres experts, conférenciers présents sur le sommet, comme Leonardo Pelagotti, Aurore Figuière, Aline Claret, les AMSO, qui sont deux femmes, Sophie Baldo et Anne-Sophie Godina. Également, Anne Ricard, Julien Perron, Philippe Bamy, Marine Garcin, Linda Osmani, Audrey Taluo, Marie Yamaguchi et Patricia Canas. Voilà, si je n'ai oublié personne, normalement. Donc, j'ai oublié Roméo qui peut se connecter, mais voilà. Roméo Cournal, qui va parler de la biologie de l'éveil et qui sera, sa conférence sera mise en ligne jeudi 14 octobre. Et il offre aussi une vidéo, votre système de valeurs, plus un test. Donc, voilà. En tout cas, des conférences de grande valeur. Vraiment, j'ai pu pour la plupart les écouter. Et c'est vraiment très, 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 très enrichissant. Et voilà, pour, je pense que après avoir... visionner ces conférences et bien sûr qu'il faut de la pratique après avoir pratiqué les bonus. Je pense que là, vous allez repartir avec des outils très, très, très impactants. Voilà. Et c'est vrai que tout est une question aussi de se mettre à l'action et de répéter, d'ancrer pour en faire des habitudes. Et de bonnes habitudes surtout. Voilà. Donc voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, les experts, peut-être un petit mot de la fin. Nous terminerons aussi par notre jingle. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci à toutes et à tous. Et puis voilà, j'espère que ça pourra éclairer, éveiller enfin, tout ce que tu as mis en place. C'est vraiment super. Et je suis très, très heureuse voilà, que ce projet soit maintenant en route et qui va apporter énormément à tous et à toutes. Ça, j'en suis certaine. Et qu'un maximum de personnes puissent partager. Et moi-même, je partagerai. Merci infiniment. Oui, hâte de découvrir tout ça, de voir aussi les interactions, les questions. Parce que nous terminerons aussi le mardi 19 octobre à 20h par une clôture du sommet. Et donc là, nous répondrons aussi aux questions et nous ferons un bilan sur cette semaine-là. Siegfried, un petit mot pour la fin ? Oui, avec plaisir. Ben, j'ai juste un petit mot à dire, c'est que vu la qualité des experts qu'on a pour ce sommet, je pense que si chaque auditeur arrive à juste implémenter un seul des conseils de chaque expert, ben là, il va avoir un cocktail vraiment pour vraiment être dans le bien-être, c'est le cas de le dire, de manière très générale. Donc, voilà, c'est ce que je souhaite à chaque auditeur, c'est d'au moins implémenter un petit conseil de chaque expert. Il y aura une petite pépite cumulée avec chaque petite pépite. Ça fait des dizaines de petites pépites qui font que ça va être, je pense, une transformation à la fin de ce sommet holistique. Oui, merci Siegfried. Coralie ? Ben, merci Valérie, merci à tous. Je me réjouis vraiment de voir toutes ces conférences. Et puis, je rejoins ce qu'a dit Siegfried. Je pense vraiment qu'il y aura plein de pépites, plein de clés, plein d'outils à mettre dans notre boîte et surtout à utiliser. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Coralie. Sandrine ? Oui, ben je suis très heureuse dans tous les cas que ce sommet ait pu avoir lieu et que ça puisse éclairer beaucoup, beaucoup de monde, surtout actuellement où il y a vraiment une... Alors aujourd'hui, on est dans un portail énergétique, donc il y a vraiment une ouverture de conscience de plus en plus et c'est vraiment important. Donc je pense que tout est dit, effectivement, et puis ce n'est pas le savoir, c'est la pratique, c'est l'expérience. Donc effectivement, de prendre chacun des petits conseils de chacun... et de les pratiquer, et c'est la pratique qui va vous éclairer et vous amener vers ce qui est votre réalisation. Donc, de belles perspectives cette semaine, ça va être des belles vibrations. Merci à tous. Merci Sandrine.
Stéphane. Oui, bien, je suis ravi que tu aies pu mettre tout ça en place parce que je sais que ça a été éprouvant physiquement. En tout cas, tu es là, tu es présente et puis tout le monde aussi a répondu présent. Et ça, c'est chouette. Tu as pu quand même réunir un certain nombre de personnes très impactantes, que ce soit pour les gens qui vont nous regarder, mais pour nous-mêmes aussi. On est constamment aussi en quête d'apprentissage, d'expérience, de vivre des nouvelles choses. Et rappelez-vous que le cœur, c'est lui le réel patron du corps. C'est lui, c'est le générateur d'énergie le plus puissant du corps humain et qui ne travaille pas tout seul. Il travaille avec le cerveau, il travaille avec le corps. Et il nous permet d'avoir un champ d'énergie extrêmement puissant quand il est bien rodé, quand on arrive à travailler avec lui, à reprendre le contact. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est tous reliés dans nos individualités, mais aussi tous collectivement. On est tous reliés. Ce n'est pas une nouveauté. Voilà. En tout cas, merci infiniment. J'ai hâte d'y être, même si on y est déjà quelque part, depuis que tu nous as invités, en fait. Et je vous souhaite une très, très belle soirée à nos auditeurs, mais aussi à tous les experts. On est tous experts, hein, d'ailleurs, dans différents domaines, même les gens qui nous regardent. Donc, on est à votre disposition. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Valérie. Et ça m'a fait plaisir de voir certains visages connus. Salut à toutes et à tous. Merci, Stéphane. Oui, on a tous, quelque chose à apporter et voilà, pour contribuer dans ce monde. Malika ? Non, on ne t'entend pas. Merci. Eh bien, écoute, ravie vraiment de faire partie de ce groupe. Très contente de ce que tu as mis en place pour manifester ce sommet, parce que je me souviens des débuts, tout ça, combien ça te tenait à cœur. Et je suis vraiment très contente pour nous, pour toi et pour les personnes qui auront la possibilité de bénéficier de ces conférences. Effectivement, si on arrive à implémenter, parce que tout existe déjà, c'est l'implémentation qui va faire la différence. Et c'est ce qu'on recommande, et peut-être avec les rappels que tu vas mettre en place et toute la dimension communication dans le bon sens, ça peut aider vraiment les personnes à mettre une petite graine qui va donner plus de beauté, plus de fruits dans la vie de nous tous, parce que comme disait Stéphane, on est tous liés. On ne l'accepte pas, mais on est tous dans le un. Voilà, encore merci et vraiment au plaisir. Moi, ce que je souhaite vous partager, c'est vraiment d'amener ce sommet d'un sommet virtuel à un sommet vraiment de physique, avec une possibilité peut-être de créer quelque chose de réel, peut-être en Algérie parce que je pense à Elias ou peut-être ailleurs, pourquoi pas, mais c'est vraiment l'idée de tenir la graine et peut-être créer quelque chose dans la matière, même si aujourd'hui Internet nous permet de partager beaucoup de choses, mais si on peut créer quelque chose dans la matière aussi, ça serait chouette. Oui. Voilà, Valérie. Merci, Malika. Elias, Je dis rendez-vous le 13 octobre pour ma conférence, et je dis que quelque part on est tous élèves, et pour rester maître il faut rester élève, et quand quelqu'un croit qu'il est maître, c'est là qu'il n'est plus maître, et donc quelque part on est des éternels élèves pour apprendre, pour partager, et ravi d'être parmi ce groupe, et on sera un bon élève pour écouter chacun des conférenciers et essayer de, dans cet esprit global quelque part, et cette notion de ce qu'on appelle le new normal, l'après-COVID, c'est d'essayer d'aller vers une nouvelle vérité, vers un nouveau concept, et aller vers l'essentiel des choses, et surtout le volet holistique et personnalisé doit être pris en considération, parce que chaque personne mérite sa propre médecine, mérite sa propre vie, sa propre spécificité, et c'est là qu'est la clé de la compréhension et du partage. Et je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup, Elias.
Et puis le mot de la fin pour Pierre. Eh bien, merci, merci à toi, merci à vous tous. Je ne l'ai pas exprimé tout à l'heure, mais c'est de ça qu'on va parler. Merci à toi, et puis au plaisir de mieux vous connaître et vous rencontrer également. Voilà, à bientôt. Merci Pierre. Alors je remercie également les personnes qui ont pu assister en live sur Facebook. Donc je remercie toutes ces personnes. Et puis Anne et Caro, on se parle en message privé. Voilà. Alors encore un immense merci à vous qui êtes. Je voudrais rajouter quelque chose, Valérie. Oui, c'est pas... Ok. Respire, tout va bien, t'es génial. Et en fait, ça tout va très bien se passer et c'était super agréable d'avoir cet échange. Voilà. Donc bravo, quand c'est une première, je voulais juste le rappeler, quand c'est une première, on a tous eu des premières, on a le cœur qui bat à 100 000, on essaye de tout pouvoir contrôler, mais c'est aussi cette capacité de lâcher prise et naturelle que tu as et qui passe super bien. Donc voilà, je voulais juste te tirer mon chapeau. Ça me touche énormément. Première expérience, premier live avec les experts. Je suis pleine de gratitude. Je pense que ça va. C'est un événement qui va rester gravé aussi dans ma mémoire, mais dans mon cœur surtout. Donc, infiniment merci. Mais attendez, je vais prendre une photo quand même. Je vais prendre une photo. Obligatoire. Alors, bon, je ne suis pas. Je vais y arriver. Iliès, fais-nous ton plus beau sourire, s'il te plaît. Vous êtes magnifique. Ça y est, vous êtes dans la boîte. Merci beaucoup. On va terminer avec le jingle de Marie Reynaud, mon amie artiste, musicienne, qui m'a fait un superbe jingle. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Nous commençons lundi avec, donc demain matin, à 9h, chaque jour, 3 nouvelles conférences qui resteront en ligne pendant 48 heures. Et donc, nous commençons lundi par ma conférence, comprendre et réguler son stress pour vivre pleinement. Et la conférence de Leonardo Pelagotti qui nous parlera de respiration. Et puis, la conférence d'Aline Claret, naturopathe, qui nous parlera de la naturopathie. Voilà, comment elle accompagne ses clients. Merci infiniment. À tout bientôt. Au revoir. Merci. Un hola pour Valérie. Merci infiniment. Oui, un grand plaisir. À bientôt. Laure, je te laisse. Non. Je coupe. Oui, merci. J'avais oublié que c'était moi.